Ouais, Steph. Bien joué. C'est un silencieux aujourd'hui, j'en suis, non ? Comment ? Allez. Ok. Allez, gardez-moi ce rythme. Voilà, Steph. Parfait. Bien joué. J'attends que vous bloquiez un peu plus chez moi, là. Vite. Voilà. Allez, go. Ok, il en restera deux, là. Allez. Ok. Ouais, bien joué. Attention au mannequin. Aujourd'hui, ce qu'il faut, bah, je crois que après, il faut avoir tout, hein. Il y a un moment donné, il faut déjà, avant tout, déjà, il faut être bien là, il faut être bien dans la tête, déjà. Il faut bien avoir la tête sur les épaules. C'est un poste qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de maturité. Après, ça, c'est déjà une première base, déjà. Après, bon, bien sûr, il faut quand même avoir un gabarit, enfin, un gabarit. Je dis pas... Il faut quand même avoir un certain physique quand même, ça aide. Et puis après le haut niveau, si tu veux atteindre le haut niveau, bah après c'est le placement, la régularité. Et la régularité, je mets le moins de fautes possible, faire remporter le plus de points à ton équipe. C'est le poste aujourd'hui, il est là. Et il est là où il est difficile. C'est faire peu d'erreurs, essayer d'en faire le moins possible, ne pas faire perdre 2 points à ton équipe et d'essayer d'en faire gagner le maximum. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, un attaquant, il loupe un but tout fait. On va dire, bon, ça peut passer. Aujourd'hui, un gardien, il fait une faute de main sur une frappe quelconque ou même sur peu importe sur quoi. Derrière la cage, il y a ses buts. Ça peut te faire perdre un match. Donc, c'est devenu un poste clé aujourd'hui. C'est un poste qu'on en parle de plus en plus. À une époque, poste de gardien, c'était un mec qu'on mettait dans la cage. Souvent, on disait, c'est le mec qui n'est pas doué avec ses pieds. Il est meilleur avec ses mains et puis, tu vois, il arrête les ballons. Aujourd'hui, le poste de gardien, je pense, il a pris une place importante dans le foot. Et on peut voir qu'aujourd'hui, le poste de gardien est de plus en plus difficile, certes, mais ça reste maintenant un poste clé pour chaque équipe. Et c'est devenu un poste important. On l'a déjà fait ? Juste pour reprendre un peu de déplacement arrière. D'accord. On part d'ici. On vient là. On rafute, on prend l'info à chaque fois. Quand vous êtes là, je mets au sol ici. D'accord. Je me relève, deuxième ballon ici au sol. Ok. On travaille sur 2 ballons. Je mets le deuxième. Voilà, on rafute. C'est bon, mettez-vous ici, comme ça il n'y a personne dans le dos. Voilà. Allez, on fait 4 passages de 2 ballons. Allez, c'est parti mon step. Hop là, voilà, ça rafute, ok. Ici, le principe. Ok, le principe c'est ça. J'étais plus sur le déplacement, c'est parti. On rafute, ici. Voilà, parfait. Ok, super, bien joué. Ouais, il faut être patron, il faut avoir une présence, tu vois, il faut que les mecs devant toi sentent que ils aient quelqu'un dans le dos, quoi, tu vois. Ça c'est important pour moi, ça a toujours été important pour moi, pour mes coéquipiers, tu vois, que j'ai un peu leur ressenti, tu vois, sur savoir si tout va bien, s'ils me sentent derrière, tu vois, si je les dirige bien, tout ça, attention, ça vient, dégage, tu vois. C'est important de savoir, tu vois. Donc c'est vrai que ça, pour moi, ça a toujours été important au-delà des arrêts que tu peux faire et tout le reste, quoi. Allez, mon Steph, la dynamique. Avant-dernier passage. Ouais, là, super. Ok, très bien. Parfait, dynamique, agressif. On veut passer devant ce mannequin. On est agressif, là, devant les 2 mannequins. Allez, hop, 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 hop. Ouais, bien, ça est vite. Ok, il en restera un pour chacun. Allez, hop, là, vite, vite.
Oui, c'est touché, ça me convient. Dernier passage. Et quatrième. Ça me convient, Baptiste. C'est le choix, ça. C'est le choix. Allez, mon Steph. Ouais. Voilà, là. Ouais, bien joué, bien attaqué. Oui, c'est ça. Deuxième ballon, le mec, il a frappé. On dévie, on oriente. Parfait. C'est bon. Allez, Jess, allez. Ah, mon pied, allez. Oui, là, Vic. Ok. S'il y a du choix, les gars, c'est ce qu'il faut faire. Allez, mon Baptiste. Allez, là. Chaque match est différent, je pense que c'est jamais le même. Aujourd'hui, pour un gardien de but, je pense que le match le plus difficile, c'est celui où tu as le moins de ballons. C'est celui où tu vas avoir un arrêt à faire ou deux. C'est celui-là le plus compliqué, tu vois. Et le match où tu touches beaucoup de ballons, il est peut-être un peu plus facile à aborder parce que du coup, bah, tu restes, tu vois, tu restes bien concentré, tu vois, tu as quand même beaucoup de ballons, donc ça, tu restes dans le match. Alors que des fois, tu as un match où ben, tu touches pas un ballon, mais à la 90e, tu as un arrêt à faire, tu vois, il faut être décisif, tu vois, il faut le faire, tu vois. Alors, bien sûr, quand c'est possible, hein, des fois, des ballons, il faut savoir dire merci à dire bravo aussi à l'adversaire, tu vois, des fois, c'est bien joué de leur part. Mais je pense que le match le plus difficile pour un gardien, c'est le match où tu touches le moins de ballons. Parce que là, il faut être fort dans ta tête, il faut être concentré, pendant 90 minutes et pas se relâcher une fraction de seconde, parce que c'est justement là où tu peux faire une erreur ou prendre un but, tu vois. Donc, enfin, pas forcément prendre un but, parce que le but n'est pas forcément une erreur de ta part, tu vois. Ouais. Ok, là. Ouais, bien joué. Allez, mon Steph. Allez, ouais, dans le déplacement, oui. Ok, là, tout de suite. Ouais, bien joué. Allez, dynamique. Allez. Voilà, bien joué. Super. Je crois qu'aujourd'hui, le haut niveau pour le poste du gardien, je pense que c'est... Pour moi, il y a deux choses. Pour moi, hein. Je me trompe, j'ai pas la réponse, hein, attention. Hein. Mais pour moi, c'est la concentration et tes placements. Tes placements. Et bien sûr, et ta vision du jeu. Allez, j'en ai trois. Ta vision du jeu. Je pense que si tu as ça, après, quand tu es professionnel, ce que je veux dire, tu sais plonger, tu sais aller chercher, tu sais bloquer un ballon, tu sais faire les choses. Si tu es pro, c'est que tu sais faire les choses. Et après, ce qui fait de toi que tu vas être un meilleur gardien, je pense qu'après, c'est tout ça. C'est ta concentration, le placement et la vision du jeu. Ah bien sûr, ça se travaille. De toute façon, c'est le quotidien, l'entraînement. Hein. Tout se travaille. Hein. C'est... Je crois que demain, le jour où tu arrêtes ta carrière, je pense que jusqu'au dernier jour, jusqu'à ton dernier match, je pense que chaque jour, tu vas apprendre des choses et tu vas travailler pour essayer d'évoluer dans des secteurs bien précis, tu vois. Tous les jours, tu apprends. Tous les jours. Tu peux être le meilleur gardien du monde, je pense que tous les jours tu apprends. C'est un poste qui demande beaucoup de sérieux et beaucoup de travail. Et c'est un poste qui demande une remise en question permanente pour justement pouvoir progresser et pouvoir augmenter ton niveau de jeu. Simplement, on part d'ici, hop, petit appui, tac, je vais couper devant. Je me resitue, j'ai un ballon frappé la main droite. D'accord ? Je me resitue là, ici, et lui il frappe fort là. Le plus fort. Ça peut être en avance, hein. T'es prêt? Non, vite! Ok! Ok, ça joue! Ok, parfait! Là, petit appui! Ok, là, vite! T'es volé! Solide! C'est bien joué, solide! Wow! On est agressif devant ce putain de maintien! Là! Ok, là, vite! Joue! Ouais, putain! C'est vrai que souvent, ça, on entend souvent dans un groupe dire « Ouais, pour être gardien, il faut être fou. » Non, justement. Je pense que c'est justement le poste où il faut être le plus réfléchi. Pourquoi ? Parce que justement, il faut une concentration. Il faut une concentration. Peut-être qu'un joueur de champ ne va pas forcément avoir besoin, tu vois. Pas la même.
Je pense qu'on a un métier qui est difficile et qui demande aussi une maîtrise de soi. Parce que d'y être fou, justement, non. Demain, tu as un ballon qui est entre deux quand tu vas devoir aller. Si tu es fou, mais que tu arrives et que tu arraches tout, en fin de compte, et que tu prends tout sauf le ballon, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça, justement. C'est un poste qui est réfléchi quand même, tu vois. Quand tu vas te jeter dans les pieds de quelqu'un, tu prends beaucoup de choses en considération. Prendre le ballon, pas que le mec il arrive avant toi, qu'il te crochette pas, que toi tu le fauches, qu'il y ait penalty, ça peut, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même tous les gestes qu'on fait, ils sont quand même des gestes qui sont réfléchis et c'est pas du truc, ouais, il y a un ballon entre deux, je vais rentrer dedans, tu vois, c'est pas ça. Donc, je pense que c'est souvent l'image qu'on peut donner aux gardiens, d'être un peu plus fou, un peu plus kamikaze que les autres, mais justement, je pense que c'est le poste où on demande aussi beaucoup de réflexion quand même. On laisse traîner. Dernier passage pour chacun comme ça. L'arbitre. Ok, c'est pas les mon poulet. Ok, super. Super. Voilà, c'est ça. Oh, sans agressivité, on n'est rien. Ok, allez, allez, Jeff. Allez, c'est rien. Oh putain, hop. Lui, il m'a déjà cassé 4 cages comme ça. C'est un quatrième qu'on remplace. Jeff. Allez, ok, vite, vite, vite. On est costaud, c'est pas facile, c'est volé, c'est pas évident. D'accord? Allez, agressif, allez hop! Ok, ici, bien, t'as eu le temps! T'as eu le temps! On a le temps! Stop! Bien joué, vous voyez la situation. Il y a eu un centre là. Putain, on a eu le temps de se déplacer, on pouvait pas parce qu'il est trop loin. On est solide sur les appuis. Par contre, devant ce mannequin, on est agressif. Oh, Jess! Oh, Coco! Ok, là, 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 là! Voilà, super, Jess! Oh! Concentre-toi sur les premiers ballons, c'est tout, mon Jess! Tu t'énerves. Là, solide!